C'est exactement ici, telle une fable de La Fontaine, que s'est déroulée une rencontre incroyable entre un renard et un blaireau. Et j'ai eu la chance de filmer ça. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'avais envie en fait de vous montrer ces images que j'ai capturées il y a à peu près 2 ans. Et je me permets en fait de revenir exactement à l'endroit du terrier, dans la mesure où malheureusement le terrier est abandonné. Il n'y a plus aucune activité. Il est à peu près 15h de l'après-midi et du coup, on a très peu de chances de déranger les animaux. Alors que je vous explique un petit peu l'histoire, à l'époque je n'avais pas d'appareil photo digne de ce nom, je me baladais uniquement en tenue et j'avais uniquement matériel, ma caméra en fait, pour pouvoir filmer les animaux. Et je prenais plaisir à me balader en forêt, les pister, repérer les empreintes et ensuite éventuellement récupérer les images. Je me souviens qu'ici, j'avais repéré une forte activité animale. Il y avait, il me semble, un seul pot de blaireau, il y avait quelques empreintes et aussi des empreintes de renard. Il y avait vraiment un carrefour en fait de coulées qui fait que je me suis dit, ici, il se passe vraiment quelque chose, il faut absolument en fait que j'arrive à récupérer des images. C'est avec un grand plaisir que je vous partage ce contenu. Je vous souhaite une excellente vidéo. C'est incroyable, je suis super content de vous avoir partagé ça. Pour la petite histoire, c'est assez connu hein, que le blaireau va partager son terrier avec le renard. Notre ami terrassier, c'est lui qui va faire la plupart du temps le gros du boulot, même si on sait que le renard est capable tout à fait de faire lui-même son propre terrier. Généralement, le renard il va prendre la chambre du haut, celle qui est le plus haut en fait et qui est la plus propice pour pouvoir sortir. Et on sait même que des fois, le renard va partager son terrier avec des lapins, puisqu'il ne va jamais chasser en fait autour de son terrier. Il va toujours aller un petit peu plus loin. Voilà, c'était la petite anecdote. J'espère que ce contenu vous aura diverti. Pour ma part, je vais au repérage du brame. Pour ça, on se rééquipe. C'était un kiff phénoménal de vous montrer tout ça. Franchement, c'était génial. Hop. J'espère que ça vous a plu. Alors, n'oubliez pas de vous abonner, la petite cloche, le j'aime, le partage un maximum et puis les petits commentaires, ça fait toujours plaisir et puis je lis tout. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Je vais au repérage. Allez, ciao. La nature vous remercie.